Mort de l'acteur Al Brown, star de série The Wire, à 83 ans. Il y a 10 ans, jour pour jour, l'acteur américain Robert F. Shaw, qui jouait Joe dans The Wire, décédait à l'âge de 52 ans, retrouvé à son domicile suite à une crise cardiaque. Il incarnait l'un des personnages les plus marquants de la série culte de David Simon. Robert F. Shaw interprétait le rôle de Projo, un des barons du trafic de drogue de la ville. En 2021, c'est Michael K. Williams, célèbre pour son interprétation du personnage d'Omar dans The Wire, qui est retrouvé mort à 54 ans dans son appartement de Brooklyn. Al Brown a joué dans 20 épisodes de la série et incarnait de 2002 à 2008 le personnage de Stan Walshay, un commandant américano-polonais de la police de Baltimore, figure corrompue de la police. Le personnage qu'incarne l'acteur est plus occupé par sa réussite personnelle que par la lutte contre le crime. Avant d'être comédien, Al Brown sert l'US Air Force pendant quelques années, en tant que militaire, et participe notamment lors de la guerre du Vietnam. Puis, il démarre sa carrière au cinéma en apparaissant dans la série Homicide, en 1995, ainsi que dans l'armée des 12 singes et Liberty Act. Plus tard, dans les années 2000, il est à l'affiche de Dragon Rouge, Lady Vegas, et il apparaît dans les séries Commander un chef, New York, Unité spéciale, ou encore Rescue mercredi. Or, ce lundi, l'acteur Al Brown est décédé à Las Vegas, aux États-Unis, des suites d'une complication liée à la maladie d'Alzheimer. Je suis triste de vous annoncer que les anges sont venus pour Al hier matin, vendredi 13 janvier 2023. Que son souvenir soit une bénédiction pour sa famille, ses amis et chacun d'entre vous. Cette page restera un témoignage du travail d'Al et de son amour pour ses fans, a déclaré son manager. Un bel hommage.